Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasman, on est parti pour un TT, un time trial, un contre-la-montre de Mario Kart 8. Et vous voyez que j'ai fait... Bah, on va voir mon temps après. Là, on voit le temps du développeur, 2 minutes 11. J'ai pris exactement les mêmes équipements que lui, hein, Destroy de Légende, Triforce et Elle Ilien pour le Deltaplane. Donc moi, j'ai mis 2 minutes, 187. De toute façon, c'est très précis. Avec le même perso, Link, vu que c'est le circuit d'Hyrule, circuit que j'ai très bien aimé, du DLC, du premier DLC. Petit temps de chargement, comme d'hab. Mais voilà, c'est la nouvelle série de la chaîne Oliver Flav, Mario Kart Chrono, voilà. Ça va simplement être sur des time trials, sur Mario Kart Double Dash, Mario Kart Wii et Mario Kart 8. Et peut-être, bien sûr, le prochain Mario Kart. Enfin bon, ça, faut attendre. Déjà que ce Mario Kart 8, je trouve qu'il est sorti assez tard. Enfin bref. Donc voilà, je vais vous expliquer en détail. Je vais un peu vous expliquer les raccourcis que j'ai pris après. Parce que là, c'est un peu trop rapide. C'est pour ça que je l'ai mis en trois fois la vidéo. Hein, et ça dure à peu près 7 minutes. Donc ça, vous allez assister 9 tours, quand même. Le deuxième tour est un peu loupé, hein. Vous allez voir un petit fail de la part d'Oliver Plasma, c'est magnifique. Mais j'ai mis énormément de temps à faire ce TT, donc voilà. D'un moment, j'en avais un peu marre. Et je me disais, là c'est vraiment le temps, je me suis déchiré la gueule pour faire ce temps. Enfin, c'est peut-être pas la bonne expression, mais c'est pas. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris le Destrier de Légende, qui est la moto de Link, qu'on voit tout le temps dans les trailers, voilà, du DLC. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi je saute tout seul. En fait, il y a un tremplin qui apparaît. Mais bon, vu qu'on est en mode ghost, en mode fantôme, eh bien, on peut pas voir le tremplin qui pop. Voilà, c'est con. En fait, à chaque fois qu'il se passe une chose pendant le circuit, il se passe rien quand on regarde le ghost. Et là, juste à gauche, il y avait un petit raccourci que j'ai pas pris. Parce que bien sûr on a que 3 champignons et il y a un meilleur cut que vous avez déjà vu normalement qui va être après. Là déjà faut toucher déjà, je sais pas si tout le monde le sait, mais faut toucher déjà les 3 losanges pour pouvoir débloquer le tremplin pour pouvoir sauter. Et voilà, on gagne à peu près une demi-seconde, hein, ça va. C'est pas beaucoup, mais bon. Sinon, pour le raccourci d'après, le cut à gauche... le cut à droite. Je confonds ma gauche et ma droite, super. Dans le cut à droite, je tourne complètement vers la droite. En faisant gaffe à l'arbre, bien sûr. Et je tourne direct après à gauche. Parce que bien sûr, après, il y a un gros virage vers la gauche et ça fait mal. Donc c'est pour ça que ce cut-là, il est très difficile à prendre, quand même. En tout cas, j'ai galéré en moto. En carte, j'ai un peu essayé, bon, ça a l'air d'être pire. Tout simplement. Puis sinon, je voulais aussi vous parler des pièces. Parce que c'est spécifique à ce Mario Kart 8. Enfin non, c'était déjà dans Super Mario Kart, mais bon. Je vais pas faire de TT sur Super Mario Kart. La Super NES. En fait, les pièces de... Enfin... Comment expliquer, c'est les pièces, ça augmente la vitesse de 10%, tu sais, quand on a 10, c'est ou à peine, c'est vraiment pas beaucoup. Tu le remarques pas quand t'es en multi. Par contre, quand tu fais un contre-la-montre, quand tu fais un TT, tu remarques que tu fais un meilleur temps, tu fais à peu près une seconde de gagner, t'as une seconde de gagner à chaque fois que t'as 10 pièces par rapport au premier tour, où normalement t'en as 0, quoi, et t'en récoltes un peu pendant le tour. Enfin, t'en récoltes même pas mal, parce que là, je crois que j'en ai récolté 9 au premier tour, un truc comme ça. Mais bref, après ça stoppe à 10, et puis après on peut pas aller plus vite. Là on est à la vitesse maximum. Bien sûr, ça joue beaucoup aussi sur les boosts, hein, les pièces. C'est très important au niveau de ça, c'est pour ça que je vais vous montrer le circuit F0 aussi. Et vous allez voir, c'est assez spécial, mais bon, je vous laisse la surprise, bien sûr. Donc voilà, ce circuit est assez court, hein, que 40 secondes pour finir, c'est quand même pas beaucoup.
Mais il est tellement beau, il est tellement bien fait que bah, c'est pas trop gênant. Enfin, je me dis qu'il est court, mais en fait, il est pas si court que ça, parce que je me souviens à l'époque, sur Mario Kart Double Dash, il y avait des circuits plus bah, à peu près 45 secondes quoi, pour le faire, le circuit. Et il paraissait beaucoup plus long que dans ce Mario Kart 8. C'est ce que je trouve étrange, dans Mario Kart 8, ils paraissent plus courts les circuits, et pourtant ils sont aussi longs. C'est quelque chose que j'ai trouvé d'étrange. Mais bon. Donc voilà, je vais bien à droite, et là à gauche, je tourne à fond à gauche. Et là à fond à droite, bien sûr. Et moi, j'explique pas très bien. Enfin, en même temps, Il n'y a pas de quelque chose d'incroyable, hein. Je fais pas bugger le jeu comme les speedrunners, je fais pas des trucs de ouf. Dans Mario Kart 8, de toute façon, on peut pas faire des trucs de fou, à part sauter comme un con. Et oui, l'attaque la plus redoutable de Mario Kart 8, pour aller très vite, il faut sauter comme un con. Ah là, c'est bien fait Mario Kart 8. Hein. Oh mon dieu. J'espère que dans le prochain Mario Kart, il n'y aura plus ça. Hein. Mon dieu. Parce que j'ai vu dans la plupart des records mondiaux. Bon, je l'utilise cette technique aussi, le speed jump. Bon, je sais pas comment c'est payé exactement, mais moi j'aime bien l'appeler comme ça, speed jump. Parce que en fait, bah, on saute comme un con, on saute super rapidement. En même temps, en essayant de tourner à la fois à droite et à la fois à gauche. Et moi je l'utilise que quand je fais un gros boost. Quand je fais un petit boost, je fais un petit saut. Voilà. Des fois. Mais bon, je le fais jamais avec une moto par exemple. On peut pas le faire avec une moto, mais on peut le faire avec un kart ou un quad. Enfin, je pense un quad, je suis pas sûr. Mais avec un kart, on peut très bien le faire. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. On se retrouve pour un autre TT.